députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous, les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Beauté de ce bande Konanga, Bino Bandeko Oyangai, Masolona député, les lots commis le premier. Tous les 1er décembre 2021. Awa, Zandeko Bandako Yinda. Awa, Makamboko Zalamakasi. Awa, Baku de fil. Eko Yinda. Bisotoko Fetendenge Nino. Bisotoko Salabone. Masolona député Bandeko Nangai. C'est une émission que je fais avec beaucoup de douleur. Comme vous savez, ça fait quelques jours, je ne cessais de parler à l'Ekinanga Christian Mukadi, un combattant de l'UDPS, mais Ndenge Tozolo Baboy, abandonné dans la prison, Azaye Mokote, Christian Mukadi, Bazami Sat, je crois si je ne m'abuse pas, parce que Jacob et Abima, et Tikala, Christian Mukadi, et Tikala Mazarin Naedo, les trois combattants de l'UDPS abandonnés. Je vais vous dire pourquoi dans la Mouki, dans la salle d'émission, on a na douleur, na amertume. Ma solona depité, et ça, dossier à barrage Katende. Très moussou sur Komaki. Tozo kende malimbe malimbe. Masolona depite eza les troupes ougandaises sur les sols congolais. Baye kwa kotrake ba ADF à côté ya FRDC. On va en parler. L'autre point, bloc patriotique en débandade. Basanga na kalisu su wapi, bakuta na kalisu su ndenge nini, bakomi koyoka soni. C'est là que je commence d'ailleurs. Bande Konanga boyebi que tangu tolobaka tozo belela. Toyebaka pourquoi to belelaka, toyebaka pourquoi to gangaka, toyebaka pourquoi tolobaka. Nous sommes en face d'une situation. Un combat politique. Combat politique, c'est un combat qu'on base sur les valeurs. On ne s'oppose pas na mutu par rapport à la morphologie na ye, ou par rapport à la couleur de peau na ye, ou par rapport à la taille na ye, te. Ou bien par rapport à son appartenance tribalo-ethnique. Ba s'oppose à kapona parce que mutu aza ekolo boete. Wana ba tu baza perdu de ba tenaka discours yandengwa. Pour opposer cette population qui est habituée à vivre ensemble. On fait la politique ou une opposition sur base des valeurs à défendre. Ce qui est la valeur boue, au besoin on a que ce sont les valeurs que notre société devrait porter. On s'oppose par rapport à ces valeurs-là. On ne s'oppose pas par rapport à des considérations tribalo-ethniques. Yangona Tuna Kibino, mon vieux Martin Fayoulou, Bake ko sanganana bato a FCC sur base de quelle valeur? Oh, les habits sautés, ce sont les églises. L'église va convoquer. Mais nous avons vu un nouvel élan faire les bilans et la manifestation. Nous avons entendu Emmanuel Chadari dire que vous avez vu comment l'FCC a mobilisé dans le riz de Kinshasa. Mbala Liboso Bamon a cité. Bungwe Zela Kaboye. Makale za kaboy mbala liboso bazaki batu ya ba ville Gombe ma campagne et cité du fleuve voilà bisika bazaki kotambole et suite à ce mariage contre nature entre la Mouka ya Vienanga Martin na FCC batu naye bazu courage ya kokota na cité. Liboso bazala ki batu ya kokota te. Tellement que basala mabe mingi contre le peuple. Sentiment ya patriotisme batikala jamais kozala nango. Parce que moutou alingi mboka na ya kotonga yango.
Mutu alinyimboka na yako bate la biloko ya mboka. Il ne va pas brader. Aujourd'hui le pays a été bradé. Makambu nyonso biloko nyonso bateka. Et pas bapaya. Yango bomoni se qui continue aujourd'hui. Mwana muke wana bedashu. Mwana muke. Batu nyonso na batata mikolo na batu nyonso sima. C'est pas possible mon Dieu. Na comprena kate. J'ai vu, je vous mets une vidéo. Ya mwana mobali wana zana bande kona ye ba libanais. Bazoloba makambo bazoloba vous allez découvrir ça. Metangu bazoloba biloko wana. Bon stanky bangy world Champs-Élysées ma supporter bagangi. Yeah! Et ben balibala. Yeah! Bazuka ka va poster vidéo wana. Mutu nyonso bosse bosse na koya na biro na yo ngayo ko sunga ngamuko les congolais ba koma ba mendiant. Les Congolais va comme Bamandien, même pour Nabiloko ya Mike Mike. Et c'est tout le monde sans se poser la question de savoir. Moi na muke oyu, mbongo ango asala kanini pona azwa yango, azwi yango wapi? Awutaki nango Liban ou bien azwi yango kana sol na bisoyu. Ce qui a vu na sol na bisoyu, la moindre des choses c'est de réfléchir comment y azwi mbongo biso peto koji kozwa en tant que banamboko. Voilà toute la question. Les Congolais ne réfléchissent pas comme un commissionnaire. Oh, écoute, mon conseil, mon bimba, un Libanais le traîne comme ça, un Indien le traîne comme ça, un Chinois. Ce n'est pas possible. J'ai aussi des amis Libanais, gars. Mais c'est le respect. Parce que n'a pas de la courbette et pas de la courbette. J'ai aussi des amis Indiens. C'est le respect total. Même ceux qui n'ont pas besoin de téléphone, respect. Je ne vais pas les faire des courbettes parce que je n'ai pas besoin de faire des courbettes. Et là, il y a des gens qui ont été faits. Ils ont été faits. Ils ont été faits. Ils ont été faits. Ils ont été faits. L'essentiel, c'est d'avoir le peu que je peux manger, nourrir ma petite famille, aider les autres. Et là, quand il y a des gens qui ont été faits, parce que je supporte la tête comme on a passé. Il y a des gens qui ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits, ils ont été faits. Ils ont été faits, ils ont été faits. Ils ont été faibles par rapport à Ndoki. Et là, nous sommes là. Je suis là, Mikolo, moi, je n'ai pas 30 ans. Tout le monde a bête à chou. Tout le monde a bête. C'est pas possible. A poster. Vidéo à Nabolandini. Bon, Stanky Bangy World. Champs-Élysées. Ma supporter Bagangi. Yeah! Et ben Balibala. Yeah! Voilà. Ma supporter Bagangi. Et ben Balibala. Donc, on arrive comme ça. Un jour, Kakandenga Zolo Bawana, Akofinga Kabino, Kakaboui. C'est que Bamona Kabino, Okomona tout le monde. Moi, Nangwa, Nazana, Ajni. Oyoko balola mutute pona ozwa mbongo. Ce qui crée l'argent, c'est la tête. C'est ce que j'ai toujours dit. Naba obazo géré. Moi, je suis simple depuis tel. Avant-hier, j'étais à l'honneur. Notre bureau a programmé ma proposition de loi. Natika, trois propositions de loi. Moko eleki. Nazo zelami bali. Ba déclarant recevable par l'assemblée plénière. Et sengo ya modèle wana bozo mona ba sage-femme. Et koti kala et komama na Bible, na ndenge komami na livre bleu, na archive que le père de l'ordre des sages-femmes en RDC, Eliezer Tamboué. O sepela nanga te. Le père fondateur de l'ordre des sages-femmes, Eliezer Tamboué. Merci, chers collègues. Quand je me lève là, je suis en train de poser la question de savoir si je répondrai à toutes ces questions. Je vais essayer de ramasser les quelques-unes. Mais j'ai aimé quand même ce que l'honorable Tamboué a dit. Que c'est sur le plan fort et sur les fondements que nous débattons en plénière. Et que l'approfondissement sera en commission.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je comprends de voir la crainte que nous avons. Et cette crainte que nous avons est ouverte des solutions en commission. Je vais commencer, je vais ramasser comme ça en désordre un peu la chose. D'abord, il y a ces débats ici, nous avons l'ordre des infirmiers, pourquoi en prier. Il y a un collègue qui a posé cette question ici, mais la question qu'il fallait, c'est une question qui a soulevé le débat. Et l'honorable Christelle, lorsqu'elle est intervenue, elle a essayé de clarifier qu'il y a un seul fils qui est resté orphelin, abandonné. Chers collègues, moi-même je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Heureusement que le docteur venait de parler. Il a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas que nous puissions mélanger ce qui ont étudié, ce qui n'ont pas étudié. Ça, c'est du délire. Mais écoutez bien, les infirmiers s'occupent des malades. La grossesse n'est pas une maladie. Faites-vous voir, maintenez l'ordre des infirmiers et du maître des sages-femmes, c'est considéré que la grossesse devient une maladie. Voilà la première différence, c'est ça. L'infirmier, c'est un généraliste. Il passe partout, mais la sage-femme est formée uniquement pour suivre la femme. Donc, on parle de la santé sexuelle et santé de reproduction. La sage-femme fait détecter, regarder une femme enceinte et comprendre comment elle fait. Voilà où est la différence, chers collègues. Si on veut aujourd'hui considérer que les infirmiers, comme les infirmiers sont là, qui s'occupent des malades, les sages-femmes aussi, les grossesses deviennent une maladie. C'est... Continuez. Allez-y. Vous l'avez dit. Je comprends, docteur. Sur le plan scientifique, vous avez dit que vous avez étudié aux États-Unis. Moi, j'ai fait les sciences politiques. Docteur, je vais illustrer un peu ça par quelque chose. En général, on était ensemble. On avance. Il y a ceux qui ont pris les départements. Tout un département qu'on appelle relations internationales. Et nous, nous avons fait les sciences politiques. Dès lors que sur le plan scientifique, on crée tout un département, donc l'évolution de la science. Honorable président, honorable député, chers collègues, ça c'est une précision médicale. Honorable président, honorable député, chers collègues, et pas que les collègues ont dit, et je vais même préciser, parce que le docteur l'a dit, qui était là, quand est-ce que même les étudiants, quand ils étaient devant une difficulté, ils s'abandonnent auprès du docteur qui doit intervenir. C'est quand il y a des complications généralement qu'on recourt au médecin, à ce que je sache. Alors, vous l'avez dit, docteur, d'ailleurs, qu'il ne faut pas tout mélanger, mais si on doit encore mélanger, nous nous contredisons nous-mêmes. Honorable président, honorable député et chers collègues, on a parlé de la question ici de quoi est-ce que les sages-femmes sont-ils agents de l'État ou non? J'ai dit oui et non. Oui, non, d'abord pourquoi? Parce que toute sage-femme n'est pas agent de l'État. Tout journaliste ne travaille pas à la RTC. Tout homme est. Alors, non, pourquoi? Et oui, pourquoi? Parce que nous revenons devant l'État pour avoir l'agrément. Parce que c'est l'État qui organise et non les contraires. Pour que nous puissions stopper cette mentalité que je vous ai présentée, il faut que l'État organise. Si l'État n'organise pas, nous restons comme ça. C'est là qu'on parle que le juriste parle d'un cadre juridique et vide, où tout le monde s'est permis de tout faire. Parce que la loi vient mettre les bornes.
savoir qui peut faire quoi, à quel moment il peut le faire, faute de quoi, il sera sanctionné. Ça s'appelle le nom des droits. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, il y a un autre débat. L'article, en ce qui concerne la définition de la salle franc, ce n'est pas une définition que j'ai ramassée. C'est une définition qui vient de quelque part. Parce que même les concepts que nous utilisons, ça vient de quelque part. Pour créer un concept, il y a toute une procédure. Donc, la définition édictée par la Conférence internationale de salle franc, voilà là où nous avons pris la définition de la salle franc. On ne l'a pas ramassée. L'honorable Sassé qui a dit que la femme du village est l'honorable Oga, et il y a aussi notre honorable Charles Manigo qui a dit que les femmes de chez nous sont exclues. Non, villageois nous le sommes aussi. Ça n'exclut pas. Il y a un point le plus important sur lequel vous avez insisté que je me casse et que nous puissions enrichir dans la commission. C'est cette histoire de certificat de nationalité. Oui, ça c'est compliqué. Et nous devons le voir pour proposer d'autres pistes de solutions en tenant compte des réalités qui permettront c'est que les sages-femmes qui sont dans les villages puissent quand même avoir la possibilité d'être inscrits sur les tableaux. En ce qui concerne l'honorable Sass a insisté, oui, il a dit qu'on devrait normalement les maintenir ensemble, on doit avoir un ordre qu'on appellera ordre des infirmiers et sages-femmes. Non, là nous allons retourner en arrière. Parce que, chers collègues, la classification internationale de type professionnel, CITP, de l'Organisation internationale du travail, OIT, TETE, revient en 2008, je l'ai dit, reconnaît la sage-femme comme profession et lui attribue un poste. Et dans cette révision-là, les infirmiers ont obtenu leur poste. Les codes venaient de 2 septembre 2020, c'est un code attribué. Dès lors qu'on a décidé de cette séparation-là, vouloir les remettre ensemble, ça compliquerait encore la situation. Honorable, oui, c'est au même moment que c'est à peu près cette histoire de. Et l'autre motif pour lequel les actes ont un certificat de nationalité, parce que même avant que ça pour la cause en nous, ils ont compliqué. Mais. On a la commission pour organiser une ligne à Poussal. Dossier tout en haut. Il y a même un collègue qui a posé la question sur la pertinence et l'opportunité. Il y a l'ordre pour proposer. Mais on engage rien de l'équipe. N'est-ce que tu vas dire à ton balai qui perd bien. Ceux qui te salient déjà une heure. Il y a pas que ma maman mis ça. Pas couche. Va en avoir autre robot à ma 10. Pas couche. Donc, par jour, chaque jour, on est le gomme va te rapporter. Il y a moins le président de l'émission minime. Ah, pour que tu vous fâtez. Mais il y a 312 personnes dans l'autre. Non, honorable, le sage-femme du Fiyo, mon collègue. Alors, honorable président, je ne peux pas terminer mon propos sans dire merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont travaillé avec nous. D'abord, aux honorables députés qui ont accepté déjà que cet ordre puisse exister. Parce que aujourd'hui, nous entrons quand même sur la scène internationale parce qu'on est en état. Merci au réseau des jeunes parlementaires avec qui nous avons aussi travaillé. Nous disons merci à l'UNFP, certainement, parce que nous avons travaillé avec les professionnels de là et le ministère de la Santé. Merci à toutes les sages-femmes. Aujourd'hui, c'est votre jour. Merci à notre bureau d'avoir accepté de programmer cette proposition de loi. Merci. Mais on va corriger les textes. Nous vous remercions pour toutes les explications que vous venez de donner. Ça presse le temps. Le débat général sur la proposition de loi sous examen est clos. La va bien à Bango Banane. À présent, nous pouvons nous prononcer sur ça précédemment. Qui sont pour? Qui sont contre? Wananani.
Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages femmes. Merci à ma collègue Nangaba député. Yami Balé, pour la Kisabino, que Moussala est parlementaire, Yangoan. Tu as qui voté Mibeko, tu as qui contrôlé, et tu as ou en a tocata katende moni bisobo et tocata jamais balien na babaz na biso. Yango moni, lelo, tango na ya koti kango, na ya ka koti ka nambundate, mais lelo, les amu koromounen. Ma sage femme, n'est pas que c'est la wana okoyoka, peuple a solula. C'est ça, on va bénir le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ils ont ça la mibeko pour le peuple. Le peuple d'abord, bisoto lobaka, to sale laka, pouvoir ya bolingo. Oli ya bolingo ya pouvoir. Parce que bolingo ya pouvoir, ils ont le kosoko mande konayo. Lelo na ko remercier biro na biso, oti même président na biso, bosso a pesi commission kaka 10 jours. Parce que la loi est qu'on a sauvé. Nana ebaki ke batu bazalaki ko fa 312 par jour pour le COVID.
oleka bitumba na est koleka ko ebola maladie nyoso tout donc nde yango wana awa nazo pesa merci na ba collègue nanga nazo pesa merci na réseau de jeunes parlementaires pour de travailler na bango merci na ba sage femme nyoso parce que victoire ezaya mais c'est emboté ezaya bango mo merci. Moment kaka ndenge na lobby et tikali komami que le père fondateur ya ordre des sages femmes au Congo komora ye monsieur Tambo ça reste là tal olinganga te je suis fier parce que zana ba toupe ba sala ba mandat so ki combien atikala jamais ko faire passer une seule loi moi je ne suis qu'un petit monsieur. C'est ça aussi l'ambiance que vous voyez. Et Sengoyaba Mama Wan, et Zaylo Komo, combien de félicitations que j'ai reçues. C'est ce peuple-là, Bisho Tozo Votele. Okotuna Basalinini, oui, Basalinini, Bangoan. Yo Vanda Zela, Oyo, Tango Bako Voté, loi, ya yo moko, Bako Misio ambassadeur, comme ça, Ndeo Koloba, Basali quelque chose. Les égoïstes comme ça. Nalinina Lobela dossier, ya Baraj Katin. C'est nous avec le peuple. Et là, comme nous sommes là, nous sommes population nous sommes là. Et ça, nous sommes là, qui sommes là. Et barrage, quand nous sommes là, le train nous sommes là, nous sommes chargé. Cinquième train nous sommes chargé. Quatrième, monsieur Komaki. Nous sommes là, Kalambambouji, nous nous battons. Pour Nanzela ya Kalambambouji et Salem, on doit désenclaver les Kassai. Tala bisika bisoto zali. Tala eloko bisoto kosala. Voilà ce qui nous préoccupe. Nous sommes souvent mal compris des fois. Quand vous nous trouvez avec les handicapés, ndenge to vanda kawana ndenge to sololaka. Batwana baseka tangu bamoni biso. Naebi sabino que la plupart ya bisika batwana bavandaka pamba te. Bisika bango bavandaka. Bakendaka kozwango na makasi parce que l'état akaniseli bango te kotongela bango basante. Et le côté bamoni nda kwa leta bayi banganzana wana zomo na ndenge nini batu balobaka ba personne avec handicap bazaka brital ta bazolu ko ko s'imposer bota la pe biso c'est ça leur message agressivité wana bomonaka ezaka kolobake bota la pe biso pe toza batu le loto za les premiers le lendemain eza journée na bango j'ai une invitation ya fondation ya Nathalie Moussao. Elle a prévu de remettre 3 prix à 3 femmes. Je serai là. Je vais me disponibiliser dans la cause à la CAC. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Le 3 décembre est en train de s'approcher. Alors voilà, donc il nous reste très peu de temps. Je demande aux gens de bonne volonté, des personnes qui veulent nous aider, en tout cas, s'il vous plaît, n'attendez pas le 3 décembre. C'est maintenant que nous avons besoin de vous. Alors, nous allons remettre beaucoup de choses à des personnes avec handicap. Ça sera peut-être au collège Bogoto. Nous vous invitons de venir, ceux qui vont recevoir les invitations, parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde. Les personnes avec handicap, nous voulons que vous soyez là. Venez, contactez-nous, on va vous enregistrer et on veut bien être avec vous ce jour-là. Donc, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Aidez-nous, le 3 décembre, c'est déjà proche. On a besoin de vous.
Vous mettez ce que vous pouvez en mettre, n'importe quoi, petit que ça peut être, on accepte tout parce que les personnes avec handicap, ils ont vraiment besoin de tout le monde. On vous attend avec vos contributions, avec votre aide. Nous avons travaillé avec la MONUSCO. Merci d'avance, pour la MONUSCO qui croit en nous et nous vous demandons de croire aussi en nous pour que nous puissions organiser un 3 décembre exceptionnel. Merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir. Et là, quand on a la brutalité, la méchanceté, la batouana, ma tata, na bango, et ça, un message, moko. Bisopé, tout ça, bat. Ce n'est pas parce que na zangi lokolo. Ce n'est pas parce que na zo mon ate. Ce n'est pas parce que na yo kakate. Ce n'est pas parce que na zana problème na loboko, ainsi de suite. Nde na tikali, na tiki koza la moutou, na komi nyama. Mais pourquoi vous nous repoussez? Voilà leur cri. Cri na bango ka yangoan. Pour intégrer Bango Bazala. Voilà pourquoi j'ai proposé, j'ai été même mal compris par la ministre déléguée. Na lobi excellence, ngai ta mona ko welela na yo nini. Et loko to kati ko sala ngana yo, ngana za parlementaire, yo za ministre déléguée. To luka ndenge nini akwa encadrer bande ko na biso oyo. La proposition ngana sala l'intégration de la personne avec handicap ne devrait pas faire que binobo nommer personne avec handicap comme personne ministre délégué n'a pas personne avec handicap. C'est une discrimination. Les gens n'ont pas compris ça. Bakani si kena lobby, balongolaye, bazwanga bacha. Même ceux qui ont me proposé ça n'a aucun été. N'a kondi mayangote. Mais l'intégration, j'ai proposé que, comme cette dame-là, asa juriste, pour la nini bakokati ko tchaye ministre, il y a justice, par exemple. Une personne valide, tchaye. Délégué aux personnes avec handicap. Pensez que la personne avec handicap est bango moko kande va se comprendre. Non, ce n'est pas ça. Ngai nazo comprendre bango. Ce n'est pas parce que nazana posa ya nini wana. J'ai juste voulu que tout ça la boye au lieu à kotika bango à l'écart. Parce que en confiant le ministère des personnes avec handicap à une personne avec handicap, ils akoloba ke bozo ya bino boro toyo kabino makele les ressources de boke ne kuvanda ku. C'était ça ma démarche. J'ai été mal compris. Batou basala ma vidéo. Et les airs, yo, c'est yo kanisaka. Et moutoyebi. Ah bon? C'est compliqué. Barrage katende, tozo kende nango. Malembe, malembe. Nzamba kosunga, tant que la volonté du chef de l'État est là. Nalignina lobe la dossier à ma troupe rwandaise sur les sols congolais. Vous voyez que na komi koyoka sonnière moko ya koloba makamu susu. Le ministre de la communication et médias a organisé une conférence avant-hier. A lobi que makambo wana bazolobeza yango te, les troupes ougandaises ne sont pas sur le sol congolais. Lelo awa confirmé que bazali sur le sol congolais. Si bozo ka ndenge ni. Elo kwa kobomba eza wapi? Parce que les troupes kenyanes yaka batu bazomo. Les troupes américaines et yaka batu bazomo. Si le chef de l'État estimait que il faut que ba Ougandais ba kota. Boko wanga na ndenge ni nizo beta faux et kubima mabe. Ngali na ebisa kibino yango avant. Tango na yojika ke ba y a eu attaque soki attentat moko na Ouganda. Ba lobi les personnes soupçonnées eza ba ADF. Na lobi boko mona Museveni ke tokomi ko ya na Congo pona ko traquer ba ADF. C'est ça. Les ADF, bah, outa na Ouganda, ce sont les Ougandais. Bien sûr que bah, komi koko tsa batu misusu. Et bah, ye awa pona koluka ko traquer. Je savais qu'avec cette attaque-là, et qu'on a dit qu'on allait à Soloto ya Lokuta, et bien, makaka, il y a une raison pour na bango ba kota sur notre sol. Mais ce que j'ai dit, c'est que, boke ba na cocktail au tozo sal, et ya kokote biso cherté. Ba Kenya, ba Ougandais, ba Américain. Cocktail wana tozo sala. Il ne faut pas y akokute biso un jour. Ba Ougandais na ba Rwandais ba si ba bunda na sol na biso na Kisangani. La première dame aleka ti kuna tango akomaki. La guerre de six jours. Et pendant ce temps, ce qu'on pouvait faire, on pouvait se concentrer à former notre armée et à la forte. Et ça quand n'est tozo lo. N'est-ce pas?
na lingina bakisa eloko moko bitumba ya est hier to proroger les sous pour comme après deux semaines ils en ngwana c'est ça la loi to proroger les sous état de siège la volonté du chef de l'état ou son souhait ezaya ke bande kona biso wana bazala na kimia. C'est comme ça que j'ai toujours dit à ma collègue Nanga, surtout mes collègues de l'Est. Nanobi, la question est un dossier à Félix. Félix Nengazawana, aza locataire, il a parlé de la nation parce qu'il a le mandat qu'il va effectuer. À quoi ça le premier mandat naïe, à ça le deuxième mandat naïe. Il finira par partir. Mais l'Est du pays restera, le Congo restera. Félix fait un effort, il n'est pas militaire, pour qu'il attire quand même l'empreinte en tant que chef de l'État à Salatou. Et c'est là qu'on vous a dit, le ministre Nicolas Kazadi, lors de son passage avant-hier sur Top Congo, à l'obiwana kezana secteur de Zozo Amongo était le col à l'armée. Tout le monde a qui passe à Basoda. Bazo Yembela. Papa Félix et papa Félix et c'est l'heure y a militaire et Zamouki. Tout ça, ce sont des pratiques. Mais ce sont les maka. Mbongo et Kobima et Kosuka gana qui s'assao. Et tamboli na baposhi aba konzi konzinyo so. Mais le budget est là. L'argent qui sort, quand le ministre des Finances insiste et dit qu'il savait de quoi il parlait. Parce qu'il y en a comme une anzungute. Bon, on a eu Kobima wapi, soki Nicolas Kazadi en dimité. Bon, on a eu Kobima wapi. Et y en a eu Kobima combien, Ezobi. Tant qu'il y a la volonté du chef de l'État, il y a que. Insécurité à l'est ici là. Bande Konangaï, mieux vaut les soutenir. C'est par un vol non régulier des Congo Airways que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite éclair de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, Joël Lourenço, pour participer à la Biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix, initié par l'Union africaine depuis 2015. La deuxième édition de la Biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel, autour de président Tshisekedi et Lourenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Souza, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui de Namibie, ainsi que de délégations de haut niveau de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ces dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix. Pour le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette biennale de Luanda valait son pesant d'or. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui féconde l'ouverture dans un proche avenir à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afro-descendante, ainsi que le lancement du Festival panafricain de Kinshasa, Festakin, de même que le Grand Prix panafricain de littérature. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'illustre... C'est par un vol non régulier des Congo Airways que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite éclair de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, Joël Lourenço, pour participer à la Biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix, initié par l'Union africaine depuis 2015.
La deuxième édition de la Biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel autour de président Tshisekedi et Lourenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Souza, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui de Namibie, ainsi que de délégations de haut niveau de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ces dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'œuvres artistiques. Voilà. Et pendant que Mbongo Oyo et Zobima, bon armée, bazo pesa parce que tous avons, ba électeur nanga ya lukungu, bo ebi ba érosion boni na kisasa, ba érosion boni na kisasa. Mbongo wane koti ko sunga. Mais on dit la sécurité plus que tout. Bokende na lukunga ba érosion katani katani bisike belo tokita tokita wan ndenge tozolo babo nandenge mbule zobeta bo pendant que vous dormez banda ku ya batozoke banda ku ezoke banda ku ezoke okolobela nani awa tokuku ye batozali na komini nini quartier nini sika nini kasizo ah tozana kimbanse ke quartier Mikondo. Mbulo ye beta ki mikolo a misato wana nde o nyonso eza veni. Si kuna kote bomoni nyonso wana, kote nyonso wana bomoni, tango mbulo wana esali, ndaku eza laki awa, chambre na salon, nyonso wana echoli, o nyonso eza ndaku, o nyonso, me oyo, mvuma ya mbula nde, ekwesi ndenge ekwesi wana. Yango na zo benga kaka bakonzi batele biso le kambo. Yo kovanda kuto to yo pe oza bitini ndako na yo ndenge bukani. Ndako na ngai yango papa. Na oye koi wana locataire azalaki wana chambre na salon. Biloko na yenyonso ikiti na ngoka kana mama ya mbulu. Mbula wana ibandaki kala ou bien libule bandai kala to bozai ka sepu ya komona kaka nzila mbamu ibukani. Libulu ezalaki ka sezaki kuna. Nase kuna nase. Nde yango biso tozalaki awa. Leri kaka mbula wana enoki mbala moko ba voisin wa kuna nde babimi baye kobetela biso porte munene po ndako lopango ezalaki na clôture. Aye kobetela biso na porte munene bobima. Deja biso tozalaki libanda tozotala mouvement ya mbula. Tozolanda mouvement ya mbula nde tositoki. Mbele na locataire wana tcholaki nde toye kobetela porte to beti porte aye kobima na ye moye kozwa biloko ezaki te biloko etsoli nango ndako pe kote na ma dega we sali moto akufi to moto azwili kama tole te moto akufi te kaka biloko ya locataire biloko ya locataire so oyebisa bakonzi nini likambo esalemeli bino bo po tomoni nzele eza kokufa bandako ebukani na moni kutu ndako noa webebi likambo nini oyebisa bakonzi nini. Nazo benga bango baya kotala bango moko nde bato bakwiko zwa decision. Soki bakobongisela biso, ubiya bakwiko pesa biso place ya kofanda po mwaya kosala ezate. Aji na ngai oyo, nakwiko zwa lisusu mbongo akosomba lopango wapi. Nga naza veve, mobali na ngai akufa atiki nga na lopango. Susi yo nga naza na ngwawo, eleki atata mobali na ngai akufaki. Po ata akufaki atikaki biso na lopango na biso tofani na biso soki tozwi bakabeli biso tole soki bapesi biso te tofani na biso kaka kasi awa ndako akofutela ngai naza na bakoko naza na bana mwaya kosala eza te ndende naza bona na suki na ngai yango nazobenga na ngai bakonzi baya kotalela biso likambo soki babongisela biso babongisa ubien bapesa ata biso place mosusu tokende kofanda na biso mpo nazomona nakoka lisusu place oyo te nakoka te nyonso oyo nakoka te nyonso eza nzela na okuna nyonso wana eza nzela bato bazokatisa kalongi azali depute oyo bino mofuta awa azali depute ya kutu oyo koloba na ogi kalongi nabenge ye moko akitana na tere papa aya kotalela biso likambo aya kotalela biso likambo po biso mwaya koloba eza te biso tokosala ndenge nini papa tokomi kosenga kaka bakonzi baya kotalela biso ka likambo soki kopesa biso place mosusu bapesa biso soki bakoloba ke bazobongisela biso babongisela biso po mwaya koloba lisusu eza te navandi kotoyo mbula eye ebuki biso awo ebuki aveni ekaboli aveni en deux nde toza boye mbala liboso tomona eloko banda na nazosukisa na dossier ya Christian Mukadi Mazarin
Tout ce temps, ça fait 3 jours que j'insistais sur autre chose. Parce que j'ai pressenté l'eau. J'ai pressenté. Le Kinanga Christian Mukadi, oui. L'eau bin a vendu kakaboye na 7 heures. Dans mon numéro, je ben ganga avec insistance. Dans un numéro, nani, oh, ngai commandant. Commandant ya wapi, oh ya aéroport, na aéroport wao. Oui, papa. Tozana Christian Mukadi, bazo embarqué, bazo tinda bango na angenga. Makile panzani nga nanzoto. Narubi nini, yende asengi na benga yo, pona kwa hivisa yoke, toke yangenga. Bana wana, ce qui était parti, bazaki 33, je crois, 33 prisonniers. Le kinanga wana, baza, Christian Mukadi, Mazarin, na Edo. Bakanga bango pona muyibite, bakanga bango pona komba. Et cette arrestation n'est pas au nom Jeko Azawan. Jeko va libérer. On voulait en arriver au chef de l'État. On voulait en arriver à Jean-Marc Kabound. Mais les lots, on oublie tout. Bana wana batie bango na avion, mutwa korobela bango zate. J'essayais de vérifier parce que ça m'a tellement dérangé na bengi bengi bengi. Bazolo, te chef a confié yango na parce que na yemo kobo. Siko soki parce que soki nani oya confia. Mutwa na confia. Ayebi bana wana te. Lelo ces gens là sont partis, ces enfants là sont partis. Je l'ai dit à la télévision. Ni les partis UDPS, ni mutu moko te mokonzi soki ndenge nini. Ni ba ministre bomonaka, batinde la kabana wana ta eloko moko te. Ces enfants là abandonnés. Mais tozo mona batu, balingi ba sale eloko moko boye, babeti pesa mbongo. Tobeta boye, comme ça, toko bimisa, comme on a eu. Et je sais, j'ai déjà quelques noms à circuler dans l'opéra. Toko bimisa yo, na grâce présidentielle. Bongo et bimi babim. Mais ces enfants-là ne peuvent pas bénéficier. Nenge tozo lo baboye bande konangai. Bachaki bango na cargo, ya service, lobby, bana wana ba kei bazana angenga. Arrêtez pendant les combats. Et aujourd'hui abandonné. 3 ans après qu'on soit pouvoir. Tout compte, oh, ça l'a quitté avant que pouvoir en soit. Ces enfants-là sont abandonnés. La maman de Christian m'appelait toutes les journées à Zolela. Parce qu'elle référence na Bangwe Zalingaï. Mais vous allez trouver Batu. Moutoualati Mounieri. Nous y dépèse. Yo y dépèse. Au salakanini. Botika ba venture na binoana. Botika ba venture. Mukadi a eu des pesses. Mazarin a eu des pesses. Edo a eu des pesses. Jeko Abima a eu des pesses. Bangoan. Et vous les avez abandonnés. Les lobas akuna. Ce qui est le bien à Moutoubaya. Tokotala makambo. Et ça makambo politique. Chef a zoninga kota. Bino bozo tambura bozo lia bien. Ces enfants l'abandonnés. Vous encouragerez quel parent. Et cause à la référence à Keomoni. Pourquoi? Boko sala boendenge nini. Pona nini. Pona nini. Ata papa kasendango aloba. Pona ni omutema mabe boye. Non, c'est pas possible. Conscience nabino eza tranquille. Bana wana retena ndenge ya combat. Aujourd'hui, batu ebele ba libera bango. Mais ces combattants de lutte de peste là, vous les oubliez. C'est comme ça que vous trouverez même les cadres, d'autres cadres à lutte de peste. Azoloba, soki azoloba batu wakufa, pona combat, alobeli Rossi. Alobeli Thérèse Kapangala. Alobeli Shebeya. Il oublie que awana yu de pese batumba batu batamu batu moto. Batu bakufa liwa ya mabeko le kabana mibali wana bazate. Je suis allé. Bazo luka ebembo koe bango nengeni. Bazo découvri moko o ya bandal. Bakutande. Tangu bakuti lokola zaki électricien. Bakuti tester moko ana. E se kole nanzoto na eba lobi yeyu. Mekonesable. On les oublie. Un jour, nake kokunda collaborateur nanga kufaka edi na cimetière ya Kinkoli. La population ba yekola tanga ya kota la place ba kunda ba combattant. Ozotala abandonné ba tomba ngwezo toboka. Il a fallu que naya komona Sylvain Mutombo qui était ministre de ayeko salisa quelques histoires là-bas.
Mwana oyo akufaka na kan luka mukolo ya dobi ya campagne ya chef de l'état ces combattants là. On se souvient même de sa famille koeba ke bazandenge ni. Les chefs de l'état s'étaient déplacés avant qu'il ne soit président de la République jusqu'à Rukendegun. Bande konanga. Et c'est ça le combat. Et quand j'essaie de parler aux gens, je dis il y a des petites choses où est marqué kabat. Les lobana wana bakeyi angenga. Loin de leur famille. Bangonde babimi ba malfaiteur ya mokili mobini. Ça ne va pas. Mes problèmes est athée. Je parlerai toujours. Les kinanga Christian, Mazarin, Edo. Ata soki bato oyo ba abandonné bin. Dieu se souviendra de vous. Vous êtes arrêté parce que vous êtes ko bunda pona oyo ekomi ekom. Problème est athée. Tout ce qui c'est mission on a les lots. Tozali na moment ya kosenga. Ceux qui osana 10 sacs à l'os, 20 sacs à l'os, carton ya sauce, soi combien 50 sacs à l'os, 100 sacs à l'os. Oyé au pessibiso. Ils ont aucun kobana otambola tambola te kuluka ka papaya pour que ba songa biso. To songa na ka entre biso. Et ko songa mo handicapé moko, et ko songa mo orphelin na ba festivité. Biro na biso zana itaga 120. Oyé même ceux qui na zate okokuta soit Amos Lubaki, soit Emanik Sekembolo. Bango bazaka permanent parce que ba musu ba bimaka bimaka. Mais au lobby na bango, babengangai ça permet ya quoi assurer transparence. Plus 243-998-311-330. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand cuisine, quittez les groupes armés, je vais les dire.